Bonjour, bonsoir. Je suis là pour vous faire une vidéo. La vidéo, c'est pour Olivier Pierre Crédit. Monsieur, ça a 8 mois de cela. Marie m'a contacté pour te ranger le crédit. Je ne suis pas de quoi. Parce que mon crédit est toujours dit à Pédo et puis il n'y a pas d'ouvrir. Moi, après 8 mois, monsieur, ça a été payé devant là un crédit 500. Je ne dis pas mon crédit 718. Il fait tout ça qui est impossible, vu impossible. Contactez Olivier Pierre Crédit. Si monsieur, ça a dit l'ICA Edo, la pédo, je stoppe tout ça d'eau. Parce que les femmes réalisent rêve, moi je vous dis. Olivier Pierre, vous comptez ça faire, oui? Je mette bien bas pour m'dou. Thank you. Je ne regrette pas que je devine quoi en haut. Parce que vous faites rêve, moi réaliser, parce que hier, moi signé kay moi. Thank you. Ou besoin de crédit orangé, contactez Olivier Pierre, n'est chrétien. S'il a fait pour moi, wow, la fait pour vous. Si moi ça va avec ou pas, je me connais. Et donc, on a fait l'ensemble. Et problème comment dire, exécutif, CPT et puis primature. Et nous, grâce à moi avec nous, on témoin, on responsable transition. C'est un responsable, M. Michel Guinache. Oui, Michel Guinache. Qui a une expérience dans la question travaille dans le cabinet. Gestion transition. Mm-hmm. En route, il travaille dans le cabinet. Oui. Et Alexandre, et puis la tortue. Alors, M. Guinache, bonjour. Et bonjour, député Pierre Matet à toutes. Bonjour, Esaü. Bonjour, Louko. Bonjour à tout animateur, émission Matin Débat. Bonjour à tout auditeur, téléspectateur. Qui est en Haïti, qui est sur web là. Et matin, c'est un plaisir pour me participer dans l'émission et matin débat. Et, mais bien ça avec on, Morello, parce que raison, c'est que pour moi-même, président Boniface, c'est un modèle à suivre. Son modèle à suivre. Qui était géant transition. Et président Boniface, moi me rappeler mes aïeux, ouais. C'est peut-être une seule fois mon t'étant de voili parler il faut pipi à terre. Et c'est lorsque tu as un problème c'est ancien président et nèg pension d'a chez baïsa ancien candidat dans l'élection monsieur pension d'a oui il en a parlé de c'est pas oublié. En tout cas, on connaît monsieur ta faut monter descendre vous inscrire là. Texas là. Ouais, voilà. Mm-hmm. C'est là ça mettre Boniface te frapper pied. Donc son président ou presque pas t'attendait ou t'attendait exactement lorsque pays a besoin, lorsque pour le trancher. Elle pas d'abgouma avec Gérard la tortue. Non, pas dire comme ça. Alors mettre Brunache, pour ça qu'a passé entre CPT et primature et nous t'attendait que ou font réflexion ou écrit un texte, mais matin nous t'a remis t'attendait ou et impression ou même qui vivent ou même qui t'ont grande responsabilité du Marcel Siméus dans pays du Marcel Siméus voilà et maître Brilage bonjour donc ben nous comment on CPT à non là avec primature et qui côté pense au arriver bon et Pierre Martin Esaü bon nous tous les deux pendant période ça faut me dire c'est pas un secret d'état que nous tous les deux nous t'ai collaboré dans transition et dans niveau palais très ils a eu bon côté mon niveau cabinet particulier qui était là dans question renseignement et ou même comme chargé de mission au niveau secrétariat général et qui était là également dans renseignement. M'a caché dire que nous tous les deux nous étions complémentaires et nous t'ai aidé transition en pile dans question sécurité. Mon pas comme ça mais bon me dit le jeudi à tout pour qu'attendez. Tout pour qu'attendez. Bon. Et des informations bon ti mamite côté l'homme ba la police yo pour la police là mandé côté me joine yo. C'était vraiment et pas qu'à sécurité sans renseignement. M'a commencé par là. Et pas qu'à sécurité sans renseignement. Pas qu'à sécurité sans renseignement et malgré tout problème que nous avons gagné toute avancée que nous avons fait, c'est grâce à renseignement, un bon timamite, infiltration, monde qui sous place et qui a bon information, côté web suivre déplacement bandia au jour le jour, alors que nous avons l'impression que c'est bandia qui a suivi déplacement autorité au chaque jour.
Donc, ça, c'est le premier bagage. Maintenant, pour me retourner sur la question conflit et présidence et puis primature, son bagage qui a existé, c'est pas un bagage qui est impossible. Et contrairement à ça, mon pensée, eh bien, présidence pendant la période 2004-2006 là, avec primature, il y a tout te gen ti conflit par autour. C'est pas comme si pas de conflit, mais conflit a été géré à l'interne, conflit a été géré à huis clos. Pour éviter gen trop tripotaille qui pour envenimer bagaille, premier ministre Gérald Latortue te bay tête pour devoir chaque jour depuis le pas voyage pour venir rendre compte par le président Boniface de action que menait dans tête gouvernement. Chaque jour, il n'y a pas jamais raté un jour pour pas venir par rapport sous action que le menait dans tel gouvernement. Et pendant que le toujours vient par le président Boniface et rapport régulièrement sur ça l'a fait, mais après une réunion stratégique que l'a fait au niveau primature, pour moi-même comme directeur cabinet président par là, ou bien pour Enex comme secrétaire général la présidence par là. Parfois c'est nous tous les deux, parfois c'est une ou l'autre. De façon que nous toujours au courant de toute décision stratégique qu'a faite pour que ce n'est pas dans les réseaux sociaux ou dans les médias que le président est informé. Donc ça, c'est un maintien à signaler. La Constitution établit les compétences de chaque monde et établit les fonctions de chaque monde. Mais ça, c'est le Premier ministre qui mène les politiques de la nation, c'est lui-même qui a dirigé le gouvernement, c'est lui-même qui est dans l'opération. Tandis que la présidence, c'est même là dans la stratégie, là dans la direction. Donc, tous les deux supposés travailler en harmonie et avec quand même une prérogative au niveau stratégique pour la présidence. C'est-à-dire que toutes les grandes décisions stratégiques qui concernent l'avenir, et en pile fois, c'est au niveau de la présidence que le fait. Même si et pour grand public là, il voit que c'est primature qui a implémenté, c'est primature qui a travaillé sur eux, et c'est primature qui a bail résultat. C'est comme ça que la Constitution prévoit et faut faire. Crise que nous avons là, c'est pas crise CPT parce qu'il y a 9 têtes. C'est crise justement rapport présidence et primature. C'est rapport ça, rôle prédéfini, même si nous parlons de Constitution, mais rôle plus ou moins prédéfini, que c'est rapport ça pas respecté. Et son crise, tout m'a malheureusement obligé de dire, son crise de responsable d'État, d'homme d'État, qui pas connaît que les affaires d'État seraient à huis clos. Question à faire jeu de correspondance, une après l'autre, et pour tout le monde au courant, ou des bagages, ça pas fait comme ça, bagage l'État réglé à huis clos. Le grand problème, eh bien, m'a retourné sur la transition, premier ministre quand on rencontre le président de la République, là, chaque après-midi. Mais si mon problème grave, mon crise, le président a fait le premier ministre débarqué à 8h du matin, 9h du matin pour nous parler, pour nous résoudre le problème. Le grand public n'a pas besoin au courant que c'est un problème. Parce que le problème est résolu dans le dialogue, il est résolu dans la négociation, et il est résolu parce que tout le monde a gagné un objectif dans la tête qui c'était faire élection. Qui était remettre pays à sous rail démocratie. C'est pas tant question. C'est vrai que, capable de dire ça, et vous, le ministre Gérald Latortue, t'es gagné qualité libre, t'es gagné défaut. C'est-à-dire que c'est un monde qui était parfois envahissant, il était remé médias, il était remé paraître. Mais, il était fongeant pour que, il était toujours impliqué la présidence directement. Soit lui-même, il a un rapport, soit il fongeant pour moi là, ou bien pour mettre un exemple là. Et le lab voyage par la mission, il était toujours fongeant pour moi-même comme directeur cabinet président, il était toujours fongeant pour l'inviter dans la mission. De façon pour que ce n'est pas moi qui a rapporté pour le président, de façon que moi là, sur place, et ma propre tout ça qu'a fait, et toujours présenté comme directeur cabinet du président. Et nous rencontrer chef d'État ensemble, nous rencontrer ministre des Affaires étrangères ensemble, nous faire plusieurs missions ensemble et dans les Nations Unies, parce que l'été connaît que même quand c'est lui-même qui n'a opération, qui a dirigé chaque jour, mais il gagne compte à rendre à la présidence, parce que quelque part, il connaît tout seul, puisque nous n'avons pas de parlement à l'époque, dépend un peu de la présidence. Ça, c'est un peu le monde qui va comprendre ça.
Mais en absence du Parlement, ça vient bail de fait, hein, c'est pas constitutionnel, mais ça vient bail présidence là, on l'autre compétence de fait, côté qu'a changé pour le ministre. Donc, et Mabdou ça, pour ça, c'est n'a fait l'histoire en direct. Pendant une période de crise dans la transition, hein, t'es comme ambassadeur qui te représente OEA, qui te vient demander carrément pour nous jouer le premier ministre. Et ambassadeur américain invité moi pour explorer les questions pour que nous changer pour le ministre. C'est le président Boniface qui dit que nous là pour nous faire transition, nous là pour nous faire élection, nous pas là pour nous changer chemise, nous pas là pour nous changer pour le ministre tout le temps. C'est le premier ministre Gérald Atatürk qui a aidé le faire transition, donc il n'a pas changé. Très bien. Donc, t'es bien ça tout. Et le premier ministre, t'es au courant que nous t'es tranché dans la question. Bien sûr. Le problème ça a opposé, il y a des compromis qui fait, il y a des remaniements qui fait, il y a une sorte de me capable de give and take qui fait qui permettent que ou rebalancer et question. Donc tout ceci se passe dans la négociation. C'est-à-dire que conflit à l'inaturel, c'est pas conflit à qui problème là. C'est gens qu'on résout conflit à qui problème. Très bien, très bien. Ils vont pas parler résoudre conflit à qui problème là. Et Maître Brunache et ou Maître Jerry Salari qui était le conseil Babas Maître Brunache ou là ou attendez oui je m'attendo et ou soit dit à l'air il m'a répété deux têtes exécutives là ou deux travail en harmonie et deux grosses synergies entre eux deux à ôter même par exemple et le premier ministre soutien et transition pour l'an 2004 et premier ministre a exécuté mais la présidence a bail les directives. Maintenant, par rapport avec ça que nous vivons là, je ne veux dire, un petit et différent volant, un primature et la présidence, bon, c'est clair que le grand-père de c'est le peuple haïtien. Mais, compte tenu de ça, est-ce que ça pas, en quelque sorte, est capable d'empiéter sous travail transition ça? Non, est-ce que réussite, est-ce que ça n'a pas hypothéqué en quelque sorte réussite transition ça? Eh bien, on est capable de dire que c'est dans la phase là que nous arrivons. Nous arrivons dans la phase, dans la semaine ça, côté où senti cohabitation presque impossible. Et mais même c'est constat ça que m'a fait, et pour ça que moi fais un appel solennel pour c'est pas des bagages. Même avec le premier ministre Gaye Koni, nous avons de très bons rapports. Mais nous avons un rapport. Parce que dans le gouvernement Gaye Koni, le premier ministre Michel Martelly, moi j'étais seul ministre que c'était Gaye Koni qui était choisi. Que c'était Gaye Koni qui était gourmet pour lui. Je m'a dit ça pour la vérité et pour l'histoire. 15 jours après l'homme fin installé comme ministre de justice, le président était révoqué. Parce que le patron confortable avec moi. C'est Gaye Koni qui était campé en croix avec Laurent Lamothe pour discuter avec le président. Et qui fait que ça n'a pas de fait. Donc, moi, j'ai toujours gagné de rapport avec Gaye Koni. C'est-à-dire que ça arrivait qu'un président ne soit pas satisfait à un ministre et un premier ministre défend le ministre. Mais ça se passe à huis clos. Ça n'a pas supposé être fait en public. Ça n'a pas supposé être fait par un jeu de correspondance. Ça supposé être fait à huis clos. Parce qu'une personne responsable n'a pas besoin de dévoiler par le grand public, par la population, tout petit problème qui est entre nous. Maintenant, et ceci étant dit, par exemple, quand j'ai vu que n'a pas du Solino, AKM, Batak, etc., nous avons tout problème ça, et puis moi constaté communication catastrophique qui a fait au plus haut niveau de l'État, moi personnellement, moi prends l'initiative, mais c'est les PM, nous avons demandé quoi en urgence. Pour me dire que ça n'a pas qu'à faire, ça n'a pas qu'à continuer. Parce que nous, dans la phase que nous y là, si exécutif là, pas entendu, exécutif là tombé. Ou bien une ou l'autre tombé, ou bien tous les deux tombés. Parce que pays a ses résultats, le besoin. Pays a besoin de sécurité, et après sécurité, a besoin de l'élection. Pas qu'une autre mission là encore. Donc, c'est, j'aime répéter encore, ou bien une jeter l'autre, ou bien tous les deux tomber. Et nous pas faire ça. C'est pour ça que moi-même, si nous permettons que je me dise ça, nous avons
nous t'a demandé que yo sponsor de France a pas quitté que c'est ambassade étrangère ou bien CARICOM qui est intervenu pour mettre en haut là. Mais rapidement, pressé, je pensais que faire ta mettre en place une sorte de commission de conciliation pour être à travers un retraite tout capable accorder le, yeah. le oui oui à travers un retraite. Alors, Isaïe Diou, yo ka fon retraite pour discuter l'exécutif. Et, yo, oui, yo ka fon retraite pour discuter ou bien yo ka fait entre eux, par exemple, m'ta wè très bien que président Slan prend deux collaborateurs, directeur cabinet en membre CPT et premier ministre désigné directeur cabinet le secrétaire général lui. Et mais même vu expérience moi comme et période transition expérience moi dans vie professionnelle moi et expertise universitaire moi pas de problème mais même Enek Jean-Charles avec bâtonnier et de l'ordre des avocats et nous chita ensemble et puis nous rapidement mettez CPT et premier ministre ensemble et puis nous résoudre problème rapidement semaine ça c'est pas résoudre semaine ça n'a perdu plus territoire et c'est gagnio n'a pas avantage sur nous. Merci en pile et comme ou t'es tendu de site moi matin. À qui est-ce bail ça profitable? Merci en pile. Pour gagner. Donc nous mettons tête nous disponible pour aider monsieur à jouer nos solutions. Oui parce que bon, j'aime dire là nous gagnons même Enex et bâtonnier de l'ordre des avocats, nous gagnons de très bons rapports avec les deux pour ma bonne avocat. Nous gagnons de très bons rapports avec les deux entités de l'exécutif. Et nous avons expérience l'État, nous avons expérience conflit, parce que je répète encore, c'est là que le conflit va exister, le conflit va résoudre à l'interne. Nous avons expérience résoudre le conflit à l'interne, et puis rapidement pour nous avancer. Parce que, et même quand nous en dehors de la Constitution, mais nous sommes capables de dire que grande ligne là, c'est la Constitution et faire de route qui est à quoi pour avril. Donc, en suivi, on ne pas chercher faire des bagages. Il y a des gestes qui maladroits, il y a des comportements qui maladroits. Donc faut nous éviter ça. C'est pas seulement une bataille d'ego, mais c'est pratiquement une succession de maladresses et qui mettait nous dans une situation ça. Donc il est temps pour nous corriger. Et ma conclue pour me dire et ministre Bounache, m'a contrôlé un bagage pour moi et pas que j'ai problème avec la valaston. C'est depuis, pour qui ça c'est depuis les et Leslie Voltaire comme président conseiller président monter notre tête CPTA l'obéit ça après. Bon et vu de l'extérieur effectivement on a gagné pressentiment ça vraiment on a pensé ça mais en fait la vérité est toujours plus nuancée la vérité est toujours plus nuancée hein, parce que son problème de question. Et Leslie Voltaire avec Edgar Leblanc, c'est deux personnalités différentes. Ouais. Edgar Leblanc subit, il n'y a pas parlé. Leslie Voltaire subit, il est révolté. C'est deux personnalités différentes, donc il faut admettre ça. Parce que l'incident qui passe dans New York, là, Mounio, quand c'est son seul incident, en fait, c'est deux incidents. Bon, premier incident que la presse t'a relaté, très clair, côté CP Leslie Voltaire était humilié devant porte bureau ambassade Brésil. Là encore, une question humaine qui était qu'à résoudre facilement et il n'était pas prévu pour la réunion. Il est venu, on l'annonce, le premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères sort, lui parle, une balle de place et puis réunion faite. Ça n'a aucun problème. Deuxième incident qui arrivait, et ça allait moins connu, c'est une réunion secrète qui a eu avec le président Abinader et le président Voltaire n'était pas au courant. Lorsqu'il a demandé l'explication, il a dit pas que pareil comme ça. Donc, l'on a fait la part des choses. C'est vrai que, mais même en tant que responsable d'État, je n'ai pas géré le conseil. Je n'ai pas géré la huis clos. Correct. Mais t'as géré la huit clos, mais t'as dit que mais un problème qui posait, c'est un problème d'État que lié, et voilà, faut nous joindre nos solutions. Maintenant, c'est pas une question de qui est-ce qui piche chef, c'est pas une question de humilier, c'est pas une question de couper tête, c'est une question de résoudre problème, ça, parce que c'est pas un problème pays. Problème pays, c'est vivre ensemble, cap craser, briser.
dans le moment que je parle là, la cour, côté président Boniface, fait, les mêmes avec Frère Laxel, c'est quartier général 400 Marozo dans Gantier. Gantier. C'est quartier général 400 Marozo dans Gantier. Côté qu'on a le chita en bas, mon gros, mon petit bloc à couler, ma manger, mon gros, relax. Qu'on y a là, c'est 400 Marozo qui a paroisé dans la zone. Les gens dans la zone n'ont pas qu'un bœuf à cabrit encore, ils n'ont pas qu'à faire culture. C'est grand groupe qui parle de nous l'année prochaine, qui reste toujours que j'en ai. C'est qu'on s'allie dans la Tibonite, c'est qu'on s'allie dans quatre côtés. C'est un drame que nous vivons, que la population vive. Donc, si Hingang qui est dans la tête d'État, ça n'est pas supposé arriver dans un moment dramatique, tragédie que la population vive là, ça n'est pas supposé arriver nous. Parce que le problème est trop grave. Paysan pa ka gen bête encore, pa ka gen kabout, pa ka gen bœuf, pa ka planter terre. Donc ça veut dire que gangou pa le piret pou yo. Manger pa ka arriver sous Port-au-Prince. La vie a cher, même côté pa gen gros insécurité tant qu'on dans sud, la vie a monté tête net parce que pa ka gen transport de marchandises. Medbrinache et Jean décrit question, Jean comprendre ni Jean décrit, Jean connaît tout. L'été doué fait entre deux responsables, Primatu et CPT, ou pas la limite pour monsieur qui est arrangé, ça a dérangé pour pas un éclatement? Semaine ça a bien arrangé. Jeudi, après-midi, faut décréter la permanence puis décider de faire arrangé. Parce qu'il faut organiser le conseil des ministres. Faut organiser le conseil des ministres et j'aime dire là, nous arrivons dans la phase. Si semaine ça, crise d'arrêté, janvier, eh bien, c'est ou bien CPT et Primature, enfin, moun ki nan tête Primature a tombé, ou bien yon jete l'autre. Nous pas vle rive dans ça. Nous pas vle rive dans ça, donc, faut yon ressaisir yon. Et, m'tap tende son lote radio sur matin, bagal arrive même en question de sécurité personnelle, de sécurité physique, des accusations kap fait. Donc, nous presque nous phase de irréconciliable. Donc, il n'est pas trop tard, mais c'est jeudi à demain pour que bagay ça mette à plat rapidement. Sinon, même moi, j'aime toujours la mangue en pile respect pour PM Gary Koni, qui c'est lui qui te bataille pour moi comme ministre de justice. Et moi, j'aime tout respect pour moun qui dans CPTO, qui fait partie du secteur politique Cap Goumen. Contre pays a ou pour pays a depuis ces 30-40 dernières années. Donc, faut yo joine yon gens pour yo résoudre le problème nan rapidement. Parce que sinon, ni yon ni l'autre pas gen pas sur la. Gon bagay, gon ti lecture rapide pour na fè. Et qui rive la dans nos décisions, premier ministre la point, jusqu'à présent. Je ne parle pas de son octobre dans les oreilles. Je ne parle pas apprécier le j'aime qu'on est. Oui, l'état prend, je ne parle pas de son. Et je vais garder l'ensemble avec vous. Si le Premier ministre a pris une décision pour faire bac, sécurité officielle, monsieur le président, équipe président, messieurs, dames. Alors, c'est tout le monde dans l'État. Tout le monde qui gagne, tout le VIP qui gagne, trois policiers et trois militaires avec eux. Donc, il a réduit sous nombre de militaires et policiers pour qu'ils puissent aller renforcer la sécurité. C'est ça, je m'entends. C'est ça, lui ou bien ça, je non, c'est ça, je m'entends. C'est ça, lui. C'est des officiels, des VIP qui gagnent, des trois policiers avec eux. Il a réduit, il a rappelé là-dedans. Mais il faut que le Premier ministre a commencé à retirer devant la Kaili. Blendek devant la Kalia. Faut que Premier ministre a commencé. Retirer nos policiers Kavel. Faut que Premier ministre a commencé. Retirer nos militaires Kavel. À l'aise, charité. Alors, moi, donner comment ça me souhaite même. Le danger dans l'affaire, n'a fait ça, M. Brunache. Supposons, ou diminuer ou bien, bon, en tout cas. Il y a des choses qui répètent tout. Retirer. Bah, connaît. Si bon. Officiel ou retirer. Ou bien diminuer, bon, comme ils aillent diminuer, il faut que nous considérions. Ou retirer les policiers qui t'attachent à lui-même, ou bien diminuer. Et puis plus tard, bon tir qui fait sous cortège ou bien sous lui. Et comment. Étant comment c'est responsable
qui considération le gagner qui ça la pied non c'est ça même dire que gagne une limite dans gagne une limite et ça été supposé fait en concertation en clair sur ça en clair sur ça et PNH là et la MEA yo autonome par rapport à autorité politique yo. Ça c'est faut nous tout clair sur ça la bon clair directeur général PNH là commandant chef la MEA c'est eux-mêmes qui ont une décision sur la police. Bien entendu, il y a un CSPN qui est capable de faire des directives, mais il n'est pas obligé d'exécuter l'ordre que le trouver qui n'est pas correct. Ça, c'est le premier bagage. Deuxièmement, le Premier ministre, malheureusement, n'a pas aucune autorité sur l'armée. Ça, c'est clair. Pas aucune autorité sur l'armée, donc il n'est pas qu'à décider qui a affecté soldat, qui a désaffecté soldat. Mais là encore, ce n'est pas de bagarre qui était supposé discuter en correspondance sur les réseaux sociaux. C'est des bagarres qui étaient supposé résoudre à huis clos. C'est-à-dire que nous avons un problème, nous sommes clairs sur ça, nous avons un problème de fantasme. C'est-à-dire que nous avons un problème de nègre qui a goumé avec Mandia sous terrain. Quantité policier qui est capable de goumé par en pile. Donc, nous avons besoin de plus fantassins, plus policiers, plus soldats. Spécialisé qui kagoumé kagoumé ça sont questions réelles que lié mais ça sont bagages qui supposé régler à huis clos maintenant la question c'est à dire que si ou même en tant parce que femme du tout c'est en principe en général jusqu'à malheureusement jusqu'à assassinat et président Jovenel sécurité au niveau de la présidence c'est dépend uniquement des forces de sécurité de la présidence okay. C'était USP 4 team USGBN. Maintenant, si gagne un membre au niveau de la présidence qui passe en sécurité avec USGPN ou bien USP, il y a un militaire avec eux, bon, si on a 10, il y a 6. Mais ce n'est pas bagaille qui pour gérer en public parce que depuis le mois président Jovenel, sécurité ou responsable d'État, ou pas supposé prendre à la légère. Claire, pas supposé prendre à la légère et pas supposé discuter en public. On pas qu'à faire coup communication sous ça. C'est non, c'est trop important parce que la vie chaque grain VIP, premier ministre, président, ministre extrêmement important et moment fragile. Donc si une décision qu'a prendre sur question sécurité sont décisions qui supposé prendre à huis clos. Il n'est pas supposé faire en public comme ça. Donc, c'est pas ça n'est pas politique, ça, c'est la vie humaine, vie responsable. Donc, il y a tout le bagage, il faut nous corriger, parce que ça va être problème. Je connais combien de monde qui a sécurisé le Premier ministre ou bien des bagages. Mais s'il trop, eh bien, à huis clos, en tant que responsable, nous essayons de résoudre le problème. Nous prenons une décision pour nous diminuer. Midi, une minute, M. Brunache. Et je pense conseil pour ta fini et petit dialogue là matin petit parler hein mais son parole d'état interview ça son parole d'état et alors et ça pour nous ta kembe comme clé pour tout monde capter de là ça ta kembe comme clé c'est que vous mettez disponible et go équipe qui ensemble avec vous sûr que n'a mettez disponible pour nous ca bah monsieur conseil aider si on a nécessité à non oui je pense que en commission de conciliation avec notre tête le bâtonnet de l'ordre des avocats qui est capable d'appuyer sur expérience PAM avec expérience Premier ministre Nèg Jean-Charles qui gagne la donne deux représentants du Premier ministre bah, je pense à des représentants de confiance son chef de cabinet son secrétaire général et au niveau de la présidence un représentant du CPT et peut-être un chef de cabinet et au niveau de la présidence et puis rapidement nous chita et puis nous voyons qui ça pose problème et qui j'ai pour nous résoudre et puis 1, 2, 3 ça supposé fait tout de suite 1 jour 2 jours maximum et puis pour ne pas jamais entendre des jeux de correspondance une à l'autre leçon sur constitution et le pire c'est que chaque fois que notre sortie soit disant son article constitution les interprétations sont toujours biaisées pour ne pas dire que c'est pas correct. Donc, il faut nous suspendre avec ça parce que ça n'a pas vivre là, il est trop grave pour que ce spectacle ça que l'autorité a banni au plus haut niveau. Félicitations, merci. Et puis, je pense que le pays a pris note. Merci pour l'invitation. Et c'est toujours un plaisir pour m'intervenir dans l'émission Matin Débat. Merci.
mes amis, m'a redit encore. Ultraban, c'est un petit comprimé tout petit qui a fait un gros ravage dans la communauté noire. M'a toujours dit ou pas regrette. Ou même garçon qui pas gain ban, eh bien Ultraban, c'est double ban. Quand nous petit comprimé ça papa, pour plus contact, relez-nous dans 954 945 08 35. Ou bien sur site internet noir www.ultraban.com. No, no.